get your attention, but it ain't working. Yeah, I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed. If you want it, you've got to. Bonjour, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce sixième, déjà Martin, sixième MMA Forum. Alors je vous préviens tout de suite, on va aller très très vite parce qu'on a quelques impératifs horaires qui nous attendent. Donc merci à tous nos partenaires de nous accompagner, pour certains depuis de nombreuses années. Ça va être une journée qui, normalement, si la zapette marche, devrait être interactive. Vous avez le hashtag à gauche et le site mmafp.live qui va vous permettre soit de poser des questions, soit de répondre à un fameux quiz de questions qui fâche sur l'industrie. On verra ça un petit peu plus tard. Et vous avez également les codes Wi-Fi en bas. Donc n'hésitez pas toute la journée à interagir. Alors c'est la presse d'intro. Vous savez, chaque année, on fait une petite presse sur les tendances du secteur, etc. Qu'est-ce qu'on vous a réservé cette année, Martin ? On a fait un travail un peu particulier avec Renaud. On a fait de la spéléologie. On a été regardé dans les 1000 articles publiés dans la newsletter du marketing mobile chaque lundi, tout ce qui était la substantifique moelle de notre industrie, pour en tirer 4 thèmes. Le premier, c'est la maturité du business. Le deuxième étant la croissance des usages quand même, notamment via la pub. Enfin, le commerce qui est de plus en plus connecté. Et puis pour finir, conversationnel, on n'a que ce mot à la bouche. Voilà, je vous annonce, on va être un peu speed. Il y a le compteur qui défile. Ça va aller très vite. Alors on commence quand même par prendre un peu de temps long. C'est important, le temps long. Avec un marché effectivement du mobile et du marketing mobile qui arrive à maturité. D'abord, on a fêté plein d'anniversaires et pas que des jeunes anniversaires puisque c'était effectivement l'année des 20 ans de Google. Alors on voit que pour quelqu'un de 20 ans, la courbe de croissance n'est pas prête de s'arrêter visiblement, contrairement à, je ne sais pas s'il y a des parents qui ont des ados dans la salle, mais entre 16 et 18 ans, ça se tasse sévèrement. Google continue à croître allègrement à 20 ans. On a un petit peu plus jeune l'App Store. Je vois quelqu'un qui connaît bien l'App Store dans la salle qui a fêté ses 10 ans cette année. Donc toute l'app économie dont on parle avec des chiffres absolument incroyables, que ce soit sur l'App Store et bien évidemment son compère le Play Store, puisque le Play Store donc, de Google a également 10 ans. Et je crois qu'il s'appelait avant, pour les plus anciens, l'Android Market. Ceux qui l'ont connu, c'est déjà assez ancien, mais 10 ans également. Avec des chiffres tout aussi incroyables. Ça, c'était le 15 octobre de cette année. Et puis déjà, mine de rien, on a Siri, donc le conversationnel, le fameux vocal dont on reparlera tout à l'heure, Martin, qui atteint l'âge de raison. Je ne suis pas encore bien sûr que techniquement on soit à l'âge de raison du conversationnel, à mon avis, mais Siri a déjà 7 ans. Voilà. Alors, je parlais de maturité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si on regarde notamment aux États-Unis, les indicateurs d'équipement et d'usage, on peut s'apercevoir que depuis, notamment cette année, on a quand même un plafonnement de l'ensemble des indicateurs. C'est-à-dire que, qu'on prenne les tablettes, ce n'est pas tellement une surprise, mais les téléphones mobiles, les smartphones, l'usage d'Internet, l'usage du desktop et des ordinateurs fixes, appelons-les comme ça, qui est en train de décroître, ou même des réseaux sociaux, on voit que aux États-Unis et fondamentalement dans tous les pays dits développés, on voit qu'effectivement, on est à un tassement des usages, donc que le marché va s'en changer, qu'on sort d'une phase d'équipement. C'est le cas pour les smartphones, qui restent quand même le vecteur essentiel du marketing mobile et de l'usage du digital par les marques. Ça fait déjà 2 ans que mondialement, l'équipement est en recul, qu'on cherche un nouveau souffle. C'est notamment dû au marché chinois qui, depuis 2 ans, baisse et on cherche des nouveaux relais de croissance. On va en parler après. On a pensé à un certain temps que de nouveaux terminaux allaient arriver et prendre le relais de ce smartphone roi qui est là maintenant depuis, on l'a vu, une dizaine d'années. Et bon, on les cherche toujours. On a vu très brièvement que les tablettes étaient déjà en train de se casser la gueule depuis 2-3 ans en termes d'équipement. Donc, il ne va pas falloir aller chercher un vrai relais ici. Sur tout ce qui est wearable, l'objet connecté en 2018, il a un peu disparu. On aurait pu faire une nécrologie des tendances et l'objet connecté, je pense, en aurait fait partie en 2018. Il a disparu des radars.
Même les wearables, je crois qu'Apple est quand même devenu le premier horloger mondial en 2018, mais en même temps, on est sur un marché qui déjà stagne un peu. 10%, ce n'est pas fantastique pour un nouveau marché. Et 115 millions, même si au niveau mondial, c'est important, ça reste très marginal par rapport aux smartphones. Donc, on ne va pas chercher les relais de croissance là. On n'ira certainement pas les chercher dans les lunettes connectées, puisque Google s'y est frotté, n'a pas réussi. Snap, avec une base d'audience extrêmement captive, s'y essaye. Et pour l'instant, même s'ils ont annoncé une V2 en avril, les chiffres sont franchement pas terribles. Donc là encore, on ne trouve pas de relais de croissance. Alors ces relais de croissance, on va aller les chercher où ? Eh bien, on va aller les chercher sur le smartphone. Donc on a vu en fin d'année, c'était en novembre, que, et c'est un autre signe, un fabricant chinois annonçait l'arrivée de portables pliables, en tout cas jusqu'à 200 000 torsions. On sait ce qui se passe après, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais voilà, on va essayer de créer des nouveaux usages. Je me faisais la réflexion hier que le smartphone à double écran, recto verso, ça peut être intéressant vu qu'on va passer notre temps à scanner des choses en attendant l'arrivée du NFC. Il ne serait pas inintéressant d'avoir des smartphones double écran. Donc il va y avoir de l'intelligence sur le hardware. Et puis, il va aussi y avoir de l'intelligence dans votre smartphone. Donc, on reste sur le smartphone. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle cette année. Et c'est vrai que le smartphone est lui-même porteur de cette intelligence artificielle. Moi, je le constate tous les jours. Je commence à arriver à envoyer des tweets, Martin, sans écrire un mot. Enfin, j'écris le premier. Et après, avec ce que me propose le clavier, je peux de temps en temps arriver à écrire une phrase à quelqu'un sans écrire un mot parce que petit à petit, le clavier apprend de mes messages passés. Donc on commence à être confronté effectivement à cette fameuse intelligence artificielle qui est un mot valise dans notre industrie, mais il y a des applications concrètes, notamment au niveau du smartphone, qui arrivent. Et puis on a le backbone de tout ça, parce qu'on l'oublie toujours, mais tout ça ne fonctionne qu'avec un réseau. Et l'avenir du réseau, c'est la 5G. Le 11 janvier, je crois que je n'ai pas coupé mon téléphone, bravo, on voit que c'est... On n'y est plus. Donc le 11 janvier de cette année, on apprenait que l'ARCEP lançait les premières licences et les premiers tests pour la 5G. Alors bon, c'est à Douai ou à Montlhéry, ce qui va être compliqué en ce moment pour y aller. Mais c'est parce que c'est très lié à la voiture autonome. Et donc on va rentrer dans cette nouvelle phase qui devrait fondamentalement être un booster des usages. Mais heureusement, pour notre business, pour notre industrie, les usages continuent à croître. C'est la bonne nouvelle de la saison. Le premier chiffre clé qui nous a marqué cette année, c'était que la presse française était enfin mobile first. Il y a plus de lecteurs sur mobile, de médias, que sur papier. Et c'est vrai pour le top 5 des gros titres, c'était en juin. Deuxième chiffre clé, de l'autre côté de l'Atlantique, on passe plus de temps chez les adultes américains sur son mobile que sur la télé. Donc on voit que les courbes vont se croiser à partir de 2019. Conséquence directe, les investissements. Le média mobile est devant en termes d'investissement versus le média télé. Et ça, c'est en 2020, d'après eMarketer, 113 milliards de dépenses. Peut-être qu'on va en parler juste après, mais c'est très très loin devant la télé. En France, on n'est pas en reste. Le mobile est passé devant le digital depuis juin et le baromètre MMA qu'on a publié. Et donc, conséquence directe, la réglementation qui arrive, on a tous eu le mot RGPD à la bouche cette année. On a choisi juste d'illustrer avec un guide que la CNIL a pris le soin de rédiger pour éduquer le consommateur en disant que quand on met un SDK dans une application de météo pour avoir de la donnée, ça peut servir à du retargeting, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Ça a un peu chahuté notre industrie, on va en reparler par la suite. Mais en tout cas, ça a été un texte de référence, peut-être, pour beaucoup de pays. On a vu, il n'y a pas longtemps, Tim Cook venir devant le Parlement européen pour faire le chevalier blanc. Alors, c'est un peu son rôle, puisque Apple ne vit pas de la publicité. Mais en tout cas, c'est un texte d'influence aujourd'hui aux US et dans les pays asiatiques. Le commerce dans tout ça. On vous a dit, ça va vite. Le commerce dans tout ça. En début d'année, on apprenait. Alors non, d'abord, on a appris que le e-commerce était majoritairement mobile. C'est un vrai sujet. On avait des vraies problématiques de conversion, de transactions sur mobile. Aujourd'hui, 60% du top 15 des e-commerçants français a une audience prioritairement mobile, ce qui explique vraiment cette attitude mobile first. En termes de transactions, cette fois-ci, il y a effectivement toujours un petit écart en termes de taux de conversion. Mais on voit qu'aujourd'hui, près de 40% des transactions, si on ne prend que les sites, proviennent du mobile. Et si on ajoute, ce qu'on oublie souvent, les applications dans la balance, on s'aperçoit qu'environ les deux tiers du e-commerce, du commerce en ligne dans le monde, quelle que soit la région, il y a des petites variances
entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, mais les deux tiers du e-commerce, du commerce en ligne, sont déjà sur mobile. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Tout e-commerçant doit être mobile first. Dans le commerce traditionnel, appelons-le comme ça, en janvier, on a appris une grande nouvelle, c'est qu'effectivement, Amazon déployait enfin son fameux supermarché sans caisse. Alors, le premier était en janvier. En août, on apprenait qu'il y en avait un deuxième. Et puis, en septembre, on a appris qu'il y en aurait presque 3000 d'ici 2021. Donc, on est sur une lame de fond. Effectivement, une nouvelle manière de penser le commerce traditionnel, très fortement drivée par le smartphone et l'usage du smartphone par le consommateur derrière. Alors bien évidemment, la résistance s'est un petit peu organisée. Microsoft a lancé sa technologie en juin Check Out Free Retail. Walmart, acteur traditionnel avec Kepler, travaille également sur son magasin dit du futur. Et puis plus proche de nous, on a Casino. Vous y avez peut-être été. Il n'y allait pas samedi, mais plutôt un autre jour. C'est à côté des Champs-Élysées avec le 4 qui propose également aux consommateurs une vision d'un point de vente sans caisse. Mais surtout, je voudrais insister là-dessus, la vraie innovation derrière tout ça, ce n'est pas forcément le paiement, c'est la mise au panier automatisée, la capacité à effectivement comprendre que le consommateur met des produits au panier. Le paiement, lui, quand il y a encore des caisses dans un point de vente, il est en train de disparaître. 250 millions d'utilisateurs Apple Pay dans le monde, c'est beaucoup. En même temps, tu m'as retiré mon slide, Martin, parce qu'on n'avait pas le temps, mais on s'aperçoit qu'en France, si le paiement sans contact se développe aujourd'hui, il se développe concrètement avec les cartes de crédit et de débit sans contact et pas encore avec le smartphone. On a beaucoup de travail à faire pour qu'effectivement le smartphone soit utilisé comme un vrai moyen de paiement démocratisé. Et puis la recherche, ça c'est vraiment le sujet sympa de l'année qui nous intéresse. C'est fondamentalement le vrai lien entre le digital et le physique incarné par le smartphone. C'est je snap, je prends une photo d'un produit et automatiquement, avec un lien direct, et si je travaille avec Amazon, avec du one-click derrière, je vais passer de la vision d'un produit en monde physique à l'achat et la livraison en une heure avec Amazon Prime. Donc je crois qu'on touche quelque chose de vraiment intéressant si la promesse technologie de reconnaissance produit fonctionne derrière, un petit peu comme le tactile avec l'arrivée de l'iPhone sur ce marché-là, on va avoir quelque chose d'intéressant avec plein d'applications, et notamment des choses très terre-à-terre de... Voilà, c'est l'initiative d'Amazon avec Pathfinder qui vous aide à retrouver des boulons et des vis dans la vraie vie, de comprendre ce que vous avez au mur et de l'acheter directement, bien évidemment, sur Amazon. Mais on voit bien ce lien entre le physique et la vraie vie, parce que le boulon et la vis, c'est quand même la vraie vie, Martin. Ouais. Surtout la voie, c'est peut-être l'avenir, la voie de notre business. On a beaucoup parlé, c'était le quatrième dernier grand sujet de l'année, le conversationnel. Alors, le conversationnel, c'est porté par l'équipement. Toutes les GAFA ont dégainé cette année. En juin, Amazon a sorti son Echo, fort de 70% de part de marché aux US, suivi très près par Apple, qui l'a plus orienté musique. Et enfin, Google, qui après son Home en décembre 2017, a sorti son Hub intéressant avec un écran tactile. C'est pas anodin. Donc déjà, en part de marché mondial, Google a rattrapé et dépassé Amazon. Donc on voit que après le smartphone, Google a encore mis la mainmise sur le hardware de cette industrie porteuse. Et donc on s'est interrogé, donc c'est bien d'avoir de l'équipement, je pense qu'ici 90% de la salle doit avoir une enceinte connectée chez soi, mais quels sont les usages? Et aujourd'hui les usages, ils sont pas conversationnels, ils sont binaires. C'est j'envoie une requête et on me répond. Donc aujourd'hui c'est la musique, c'est de la météo, c'est des questions, c'est un peu de médias. On a vu quelques marques avoir des initiatives de plus en plus, peut-être la plus emblématique étant SNCF, mais qui revendique 10 000 visiteurs par jour sur son WeBot. Et en termes de commerce, ce n'est pas encore ça. Hein. Amazon revendique uniquement 2% d'acheteurs par le vocal. Et parmi ceux-là, 90% n'ont même pas choisi de refaire un achat. Voilà. Après qu'on pose la question, et c'était l'étude en janvier qui est sortie de chez Capgemini, 40% des utilisateurs se disent privilégier l'assistance vocale plutôt qu'un site internet dans les prochaines années. Et le commerce, qui pourrait avoir 18% de part de marché selon cette étude, d'ici 3 ans. On est encore loin, mais c'est une tendance. Alors quand on parle de vocal, il ne faut pas que résumer ça aux enceintes, parce que le vocal c'est surtout le mobile. Aujourd'hui quand on interagit, c'est notamment avec Siri. Et la meilleure réponse que Apple a apportée à Alexa et à Google, c'était Siri Shortcuts, qui est une sorte de FTT qui permet de faire des connexions vocales avec les autres applications de son smartphone. Aussi quand on dit vocal, quand on dit conversationnel, c'est pas que vocal, c'est évidemment le SMS et les messageries. Et donc là WhatsApp pour la première fois a ouvert aux entreprises son API pour pouvoir faire du SAV. Donc c'est pas encore du wholesale et du push qui représentent 100 millions d'euros par an en France, mais c'est des débuts d'interaction via le mobile en conversationnel.
Et puis pour finir, Google, qui a raté la vague des réseaux sociaux et qui a raté la vague des messageries, compte se refaire avec le SMS et donc pousse pour l'initiative RCS, qui permet d'avoir une expérience messagerie dans le canal SMS. Donc voilà, c'était notre rétrospective de l'année. Les quatre sujets chauds qu'on a réussi à faire à peu près en 15 minutes avant que Maurice Lévy puisse venir sur scène. Et toi, Renaud, tu voulais finir, comme d'habitude, avec une petite citation. Voilà, il nous reste 25 secondes. C'est pour ça que... Et elle va illustrer effectivement ce qu'on s'est raconté, c'est-à-dire qu'on va vivre de plus en plus dans un monde où, comme vous venez de le vivre pendant un quart d'heure, on va avoir un flot de data, un flot d'informations permanents qui nous tombe dessus. Avec les algorithmes et l'intelligence, ne va rien arranger à ça. Et donc l'humain va avoir un challenge essentiel au cours des prochaines années, c'est effectivement d'arriver à dégager l'essentiel de l'insignifiant dans ce flot d'informations. Et je crois que la prochaine demi-heure que l'on va avoir le plaisir et l'honneur de passer avec Maurice Lévy va nous rappeler ce que c'est que l'essentiel. Merci à tous.